Nous l'avons découvert lors de la 11e édition du Festival de la chanson française du Pays d'Aix l'année dernière. L'année 2014 sera la révélation pour cette voix talentueuse sur TF1 dans l'émission The Voice. Elle terminera dans les premiers, ce qui l'emmènera sur les routes de France en tournée. Elle prépare l'enregistrement de son premier album 12 titres. On fait du oui pour Élodie Martelet. Marchant dans les sombres ruelles, perdues au milieu de la nuit, la détresse de la demoiselle te désarme quand je te souris. Et nous échangeons quelques mots qui renforcent ton impression. J'ai l'air de te trouver beau, moi ta sublime apparition. Ton orgueil et mon innocence, mais moi qui suis si persuasive, tu t'en présentes et t'en attends, c'est moi le fait. Je suis l'image de tes émois, l'incarnation de tes envies. Mais passe la nuit avec moi et tu ne passeras pas la nuit. Je veux jouer à l'amoureuse douce pour te laisser rapprocher. Mais mon cœur, je suis l'affectueuse et je finirai par te tuer. Marchant dans les sombres ruelles qui nous conduisent jusque chez moi, tu bénis la chance irréelle que tu crois ce soir. Mais tu te trompes, car cette chance, c'est bien pour moi qu'elle a été. Mais toi, affolé par ta transe, tu ne peux pas le remarquer. Nous arrivons enfin chez moi, ton impatience se fait sentir. On a vraiment vu des poils semblant si précieux de mourir. Je suis l'image de tes émois, incarnation de tes envies. Mais passe la nuit avec moi et tu ne passeras pas la nuit. Pour te laisser rapprocher. Mais mon cœur, je suis la vécueuse et je finirai par te tuer. Ce soir, on a très peur aussi, c'est pour dire la vérité. C'est notre premier concert de compo, vraiment. Et du coup, c'est un peu un test pour nous. Voilà, je voulais vous parler un peu plus en, vraiment de cette chanson. C'est comme un triptyque, une trilogie, qui a été écrite en fait par Raphaël Géard, qui est dans la salle, mon meilleur ami et parolier, que j'aimerais qu'on applaudisse bien fort. Mon pote. Et voilà, c'est une trilogie, donc il y a trois chansons, c'est logique, et elles sont toutes les trois présentées dans ce set, et je vous dirai à quel moment elles sont, voilà, parce que c'est des chansons qui nous plaisent beaucoup au niveau du texte, etc., et qu'on adore jouer à chaque fois. Voilà, donc celle-là, c'était l'affectueuse. Sens-tu les pleurs qui secouent le silence?
spécialement. Mais à quoi bon se battre encore si cette perfection n'existe pas? Si personne n'est jamais d'accord, ni en amour, ni avec vos lois. Mais à quoi bon se battre encore si cette perfection n'existe pas? Si personne n'est jamais d'accord, ni en amour, ni avec vos lois, avec vos lois. S'il faut se battre pour réussir, s'il faut s'imposer, comme si les années allaient s'effacer, comme si ma vie était dessinée au crayon à papier. Mais alors battons-nous encore, est-ce que l'affection existera? Et tout le monde tombera d'accord, et un amour est avec vous. Pour ceux qui connaissent les paroles de chansons, on vous en prie, chantez avec nous, ça fait toujours plaisir. Et surtout pas toi.
Ok. Pour la prochaine chanson, on va avoir besoin de vous. Il va falloir chanter. Oh, c'est pas compliqué. Il y a 4 mots. Plus ou moins. Tout quitter, méditer, voyager et m'occuper. C'est pas compliqué, ils sont placés en début de phrase. Donc normalement, rythmiquement, c'est pas trop la galère. J'aimerais qu'on appelle au cœur et qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour les personnes qui vont arriver parce qu'elles sont très chères pour nous. Sophie et Fred! Mais on va pas vous laisser faire ça dans l'impro, parce que je suis sûre que vous avez un level de fou. Et donc, on va vous le montrer, et après on va chanter ensemble. Ça vous tente ou pas? Oui. Okay. Donc ça va faire ça. 3, 4. Tout quitter. Ça c'est vous. Méditer. Voyager. Ok, alors je rappelle, tout quitter, méditer, ah il y en a qui suivent. Après c'est quoi, après méditer c'est quoi? Voyager. Ah, et après voyager? Voyager. Oh là, vous êtes trop rapides. Vous imaginez le temps que j'ai mis moi pour apprendre mes propres paroles? Ok, on essaye. Vous êtes prêts? 3, 4. Tout quitter. On va voir dans l'action. Il y a une deuxième petite phrase à apprendre. Elle va compliquer. C'est tup 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 tup. Ok. Tup tup tup, ça va? Vous avez... C'est bon? Ok, super. Donc ça fait... Tup 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 tup. Allez, on essaye tous ensemble. 3, 4. Ça envoie grave. C'est vraiment chouette. Bon, on voit tout ça en application? Allez. Ce matin, quand je me suis levée, j'ai vu que tu n'étais plus là. J'avais zappé, c'est vrai. Et en regardant autour de moi, enfermée entre quatre murs, je sais bien que la vie est dure et que personne d'autre que toi ne pourra mieux guider mes pas. Oh! Ça prend un peu de recul,
C'est chouette. Voilà, le moment est venu de chanter la deuxième chanson du triptyque trilogie truc. Elle s'appelle Psycho, celle-là. Et je me demande si vous avez saisi les points communs entre ces chansons. Le point commun entre ces chansons. Est-ce que quelqu'un le sait? Ouais, c'est quoi? J'ai l'air d'un psychopathe. Merci. Oui, bah oui, c'est vrai. Bravo. On applaudit, merci. Non, tout simplement, les personnages sont des foutus tarés. Hein, voilà, complètement dingue. C'est des nanas qui vont torturer et mener la vie dure à leurs compagnons. Et je trouve ça juste exquis. Les filles, gardons le pouvoir. Ton nom, si on sourit, la série.
tout oublier les phases de notre relation. Quand tu me surprends à t'espionner sur le chemin de ta maison, tu me dis de quitter ton seul quand je viens, tu me dis toi. Comment pourrais-je faire mon deuil si tu n'es pas encore mort? Je suis le psycho, le musico, maniaque. Je suis le psycho, le musico. Le psycho, le musico, bah.
salle qui se fonde. Nous sommes les danseurs unifiés. Nous sommes le courant d'une onde qui balaie les airs embrasés. Est-ce que ça va toujours ? Oui ! Ma guitare se désaccorde. Alors, avec la chaleur qu'il fait, en fait, c'est normal. Et en fait, j'essaie de trouver quelque chose pour meubler, mais ça marche pas. Ça a été bien fausse. Un vrai régal pour vous. Et pour moi. Et pour eux. Et pour tout le monde, en fait. Ah oui. Je voudrais... Ah, oui, merci. Merci, merci Darky qui prend les photos. Ah oui d'ailleurs, on peut l'applaudir Darky s'il vous plaît. Voilà, comme ça je me suis enlevé tout mon maquillage. C'est pas grave. Là j'allais vous poser une question, du coup, que je vais vous poser. Je voudrais savoir si dans la salle, il y a des gens qui ont moins de 18 ans. J'aimerais savoir maintenant, en fait j'ai plein de questions, hein. je suis pas du FBI, vous inquiétez pas. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont déjà rentrés en boîte, en fraude, alors qu'ils avaient pas l'âge ? Non, répondez surtout pas. Est-ce qu'il y a des policiers dans la salle ? Bon. Y en a un ? Bon, répondez quand même. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà rentrés en fraude, en boîte ? C'est mal. J'aimerais dédier cette chanson à tous les gens qui, comme moi, sont rentrés en fraude en boîte. Et oui, maman. Et aussi à tous ceux qui ne boivent que du coca. Désolée, fallait que je la fasse. Je suis le héros de la soirée. Et même si la plus jeune des filles a bien 4 ans.
d'argent. Alors je fais du fond de verre enfin quand il n'y a plus rien dedans. J'ai vomi, on m'a mis dehors, cette bière j'aurais pas dû la boire. Mais ça fait tard de toute façon, je reviendrai demain soir. Je suis l'erreur de la soirée, même si la plus jeune des filles a bien 4 ans de plus que moi. Je suis sûr que ça ne se voit pas. Je me sens tellement bien ce soir, je crois qu'elle ne regarde moi. Mais je suis le roi de ce bar, si je ne vois que du coca. Pas vous, mais eux oui. Ok, je vais te mettre là. Voilà. Prêt? Non, il fait pas froid. On papote un peu entre nous, excusez-nous. Juste un peu plus près.